Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Dinoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de cake aux pommes. Alors, pour préparer ce cake aux pommes, je vais mélanger les œufs avec le sucre. J'ai pris 3 œufs. C'est la saison de la pomme, j'en profite pour vous faire des recettes à base de pommes. Je vais le passer au robot jusqu'à obtention d'un mélange homogène, très mousseux. Alors, une fois que j'ai obtenu un mélange bien mousseux, alors je vais rajouter dans mon mélange. Je vais juste vous arranger la caméra pour que vous le voir. Du jus d'orange. Je rajoute également du beurre et de l'huile. Je vais rajouter également de la farine progressivement. Ainsi que la levure boulangère. Et je vais mixer tout ça au robot jusqu'à obtention d'un mélange bien homogène. J'ai beurré et fariné un moule à tarte et là je vais mettre dedans ma préparation de gâteau à la pomme. Alors j'ai coupé des petites pommes en fines tranches et je les ai citronnées et là je vais les mettre dans le moule. De cette façon, jusqu'à ce que je fasse tout le tour du moule, comme ça. Une fois que j'ai fait le tour de tout le moule avec les pommes, je rappelle que je ne les ai pas épluchées, j'ai volontairement laissé la pomme avec la peau pour avoir une jolie couleur. Là, je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant 20 à 25 minutes. En surveillant la cuisson. Le gâteau à la pomme est maintenant pris, je l'ai sorti du four après cuisson et je l'ai badigeonné avec de la confiture chauffée et un petit pinceau. J'espère que cette recette vous a plu. On se retrouve sur la cuisine de Dinoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises.